Qu'est-ce que je passe sur le site de rencontre? Carte. C'est quoi? Eh mais je crois que je vais enlever les lunettes parce que je vais faire une crise cardiaque. C'est quoi ces têtes là? Lui on dirait il sort de prison. Oui. Lui petit, je crois il manque des chromosomes, on dirait il manque un bout. Ouais, je crois aussi. Ouais. Celui-là, à peine tu cliques, il y a la photo que tu t'es prête, tu dis le. Mais c'est quoi ça là? C'est là qui commence à mettre le minot. Il y a du tout. Alors celui-là, regarde. Attends, je te montre la page d'un vrai regard. En fait, c'est pas un site de rencontre, c'est un site antidépresseur. Tu rigoles tellement quand tu vois leur connerie, leur gueule. Depuis 15 jours, il est... Regarde, il est tout blanc. Il fait ramadan. Ah, peut-être, je sais pas. Non, faut pas dire des choses comme ça, mais je sais pas, il fait peut-être la grève de la faim, il y a des mots trucs. Tu sais, il est peut-être tombé dans le sac de la farine. Il veut peut-être les prix de l'air, et il est tombé avec la tête dedans. Oh, et regarde, lui dit, je m'appelle Richard. Il a une tête de pauvre français, il s'appelle Richard. Oui. Mais ça c'est nul, hein. ils savent donc qu'ils sont pas français, on le voit au faciès. Alors pourquoi ils montent le faciès? Oh, tu parles bien. Ah oui, mais tu m'as dit la dernière fois, j'écoute ce que tu me dis. Tu m'as dit quand tu comprends pas un mot, tu cherches. Oui, je t'ai dit ça, c'est vrai. Il faut se culturer. C'est culturé, aïe, tu dois te dire que tu es culturé. Ah oui? Cultivé! Ah oui, t'as fait. Pas le potager, hein, c'est pas la même chose, hein, tu comprends? Bah écoute, les carottes, les radis, les concombres, ça me connaît. Parlons de concombres, ça me fait penser à un truc. Ah! On est moderne et tout, voilà. Nous on est peut-être vieilles, mais on est encore sur les. Mais je veux pas que tu dises qu'on est vieille, on est donc pas vieille. Ouais, mais faut rester dans le temps. Dans l'air du temps. Bah justement. Faut rester moderne. Oui, mais enfin, je vais te dire que ceux-là, ils sont dans l'air de rien du tout. Hein. Parce que ça, franchement, tu sais pas. Hein. Oui, mais regarde, là. Arrête de vouloir t'éteindre, là. Dès que tu touches pas la souris, là, c'est éteint. Oui, et ce que je voulais dire par là, là, en fait, à l'époque, hein, nous, quand on avait encore nos maris qui étaient vivants, hein, puis à leur âme, hein, ils sont partis. Hein, ouais. Nous, on est encore là. Hein. Eh bien, on faisait des choses, je ne vais pas te faire rater ça, mais il y avait un sens unique, hein, on n'allait pas... Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, hein? Oui. J'ai-tu, moi, les premiers rendez-vous là que j'ai eu sur le net, ils me disent, c'est pas par là que ça se passe, mais tu veux que ça se passe où? Ben oui. Et là, j'ai découvert que les gens aujourd'hui pratiquent plus le tout-terrain que les autoroutes, je comprenais pas pourquoi. C'est tous des bêtes, non, alors? Je pense que c'est tous des pecnos, parce que le tout-terrain, c'est les pecnos. Ils préfèrent, c'est des tracteurs. Moi, je crois que le prochain sur la liste, je vais lui dire, écoute, cherche-toi ton canon. Mais écoute, c'est ton logis. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est nouveau, ça vient de sortir. Mais oui, on va nous faire chier, nous, alors que... C'est vrai, mais c'est vrai, moi le prochain aussi je lui dis ça, je veux bien être moderne, hein, mais après moi j'arrive plus à m'asseoir, il y en a, ils savent même pas se débrouiller correctement. Ah, je suis peut-être une vieille, je mets peut-être 50 ans là pour arriver à mettre la page. Ah oui, ça je pense, oui. Mais je m'informe. Ah. Et moi, comme c'est un truc que je pratiquais pas à l'époque, hein, quand on était jeune, on faisait pas ce genre de choses, nous. Et comme je voulais rester moderne, je me suis vu sur internet,
j'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer comment faire pour pas faire mal, pour faire tout bien et tout. Après, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Non, hein. non. Si t'es aussi moderne que moi, tu sais comment ça marche. Hein. Oui, mais franchement, moi aussi, je suis étonnée, hein, parce que la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il connaît pas la bonne direction. Il s'est trompé de route. Il avait il pas le GPS. Il a fait un dérapage. Il avait pas le GPS. Franchement, écoute, c'est bizarre tout ça. Hein. Alors on me dit, oui, mais dans l'Antiquité, ils faisaient déjà des choses comme ça. Ça, je savais pas. La peur n'était pas dans le même monde alors, je non, crois. Non, je crois pas sur la même planète, hein, franchement. Parce que ça, je sais pas. Et tu crois qu'ils font ça avec Poupon aussi à la maison? Alors ça, maintenant, c'est une bonne question. Ça, moi, je me demande. Hein. Écoute, connaissant la vie actuelle, enfin la société actuelle, bien sûr, j'aurais envie de dire que... Explique-moi. Je pense que ce qu'ils font pas à la maison, ils le font avec les maîtresses. Ah, tu penses la même chose que Yaya. Ok. Ah. Oui, moi parce je pense... Parce que des fois, ils ont des pratiques bizarres, ils me sortent le fouet et tout. Il a cru il était dans 59 degrés, il croit qu'à mon âge, j'ai pas vu le film. Moi aussi, j'ai vu le film 59 degrés. Moi, j'ai toutes les pas. Nuances de gris. Ah, jusqu'à 7. Il peut tout avoir avec moi. Y a pas de problème. Il ose. Tu vois, moi je chante pas c'est noir, je chante cri, c'est cri. Cri, c'est cri. Tu vois, moi j'aime les jeux de mots. Bah écoute, on peut donc bien rire. Regarde, écoute. Bah oui. Ouais, bah attends pas, je te dis, moi, les mecs que j'ai vus là, ils sont tous pris pour 50 nuances de cré là, ils voulaient faire. Mais ils se croient dans un film. Mais je crois qu'ils regardent trop la télé là. La télé, et puis... Ils sont robotisés avec tout ça. Et puis la télé, et puis les films, et puis les vidéos, on ne leur montre que ça. Pour tout. Oh, j'ai un message. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Est-ce que tu... Ben non, mais il n'est pas bien, mais encore un détraqué mental qui me dit des obscénités. Ah oui, mais ça, de toute façon. Il me demande si je fais gorge profonde, mais moi, je vais te donner du gorge profonde. Non, mais c'est ce que tu... Mais tu crois que ça vaut... Mais tu crois que là-dessus, on va trouver quelque chose Je sais pas, hein. Je crois qu'ils se sont trompés de site. Mais pourtant, il y a des sites, là, de la sexualité, là. Mais c'est ce que je comprends pas. Échangistes et je sais pas quoi. C'est pas vous, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, mais ils confondent tout. Maintenant, en plus, pour parler des couples, des lovers, et des CDI, et des CDD, et moi, je veux du intérim hot shot. Non, mais on va où comme ça, du... Non. Ça, c'est pas pour moi. CDI, intérim... Non, mais... Après, voilà, en attendant le bon, hein, il faut ramener la cheminée, hein, parce que sinon, après, elle ne fonctionne plus. Hein. Oui, alors, et puis après, on perd la main. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Faut surtout jamais arrêter, parce que si on s'arrête, ça ne remarche plus. C'est une question de pratique. C'est ça, faut pratiquer. Nous, c'est notre grand âge aussi. Si tu pratiques, ça continue. C'est bien. Si tu fais des arrêts trop longs, c'est foutu. C'est mort. C'est mortadel. Voilà. C'est mortadel. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à regarder ces que t'as petit? Ou alors on continue autrement? On cherche un autre site? Et peut-être on essaye un autre site. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, franchement, c'est le ramassis de tous les... Non, celui-là, moi, j'aime pas trop. Je crois que je vais m'inscrire ailleurs, hein, parce que j'ai que des trucs, mais bêtes. Et puis des trucs bizarres. Et puis ils sont bizarres. Et puis, je sais pas, là où ils ont des potes dans la tête, ils sont pas tout ça, là. Hop là. Bon, allez, on va aller ailleurs. Hop. Tourne-moi cette page.